sa louange. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai. Et le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir partager avec nous un thème. Dieu te réserve le meilleur. Dieu te réserve le meilleur. Est-ce que tu peux le dire à deux personnes? Dieu te réserve le meilleur. Dis-le avec conviction. Dieu te réserve le meilleur. Il ne te réserve pas les restes, les blablabla, les petites choses, des choses rejetées, des choses méprisables. Non. Dieu te réserve ce qui est mieux. Dieu te réserve le meilleur. J'aimerais que tu sois encouragé en ce mois de février et que cela puisse rester dans ton esprit durant toute ta vie. Chaque fois que tu vas te réveiller le matin, que tu te dises en toi-même que Dieu me réserve le meilleur. Chaque fois que tu te regardes au miroir, que tu te dises en toi-même, Dieu me réserve le meilleur. Alléluia. Amen. C'est très important, frères et sœurs. Dans ce monde qui perd l'espoir, nous avons besoin de l'espoir. Nous avons besoin de savoir qu'avec Dieu, nous ne pouvons qu'envisager le meilleur. Alléluia. Amen. Je suis allé voir la définition du mot meilleur. On dit que meilleur, c'est le superlatif du bon. C'est le contraire du pire. On dit que le meilleur, c'est ce qui est excellent. C'est ce qui est bien. C'est ce qui est approuvé. C'est ce qui satisfait. C'est ce qui réjouit le cœur. Dieu ne te réserve pas ce qui va te causer des peines. Dieu ne te réserve pas une relation qui va te traumatiser. Il ne te réserve pas une relation qui va te stresser, te choquer. Il te réserve ce qui est meilleur. J'aimerais que tu croies en ça. Que tu confesses ça en ce mois de février, jour après jour, que tu confesses et que tu dises que Dieu me réserve le meilleur. Alléluia. Amen. Que Dieu me réserve le meilleur. C'est ça la pensée de ce mois de février. Dieu me réserve le meilleur. Il me réserve ce qui est bien. Il me réserve ce qui va réjouir mon cœur. Il me réserve ce qui va me propulser dans la louange. Dieu ne te réserve pas une relation qui va te faire pleurer toute ta vie. Il te réserve une bonne relation. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils ont rencontré les hommes de leurs époux, leurs fiancés, ils se sont réjouis. Mais malheureusement, ils ne savaient pas qu'il venait de rencontrer son futur meurtrier. C'est lui qui mettrait fin à sa vie. Oh, que ce ne soit pas le cas pour toi. Je dis que ce ne soit pas le cas pour toi. Vous voyez des histoires de gens qui ont été tués par leurs enfants. C'est grave ça. Le jour où il prenait l'enfant dans ses bras, à l'hôpital, il bénissait Dieu, mais il ne savait pas qu'il était en train d'embrasser son futur meurtrier, celui qui prendrait les couteaux et qui mettrait fin à sa vie. Ah, je dis, ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Je dis, ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Le Dieu Tout-Puissant, celui que nous adorons en ces lieux, celui que nous cherchons en ces lieux, il te réserve le meilleur. Quelqu'un peut dire, Dieu me réserve le meilleur. Genèse chapitre 1, verset 31. Genèse chapitre 1, verset 31. La Bible dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était comment?
Non, lis la Bible. Tanga malam Biblia. Musuba bloka phrase wana kaka. Bamusuba kanga kaka na mutu. Genèse chapitre 1 verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Voilà. C'est le meilleur. Dieu vit que cela était très bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le sixième jour. Donc, le jour où Dieu clôture la création, il n'était pas en face du médiocre. Il était en face du très bien. Il était en face du meilleur. Ecclésiaste plutôt, chapitre 3, verset 10 et 11. Ecclésiaste 3, 10 et 11. La Bible dit, j'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a fait toutes choses bonnes. Dieu a fait toutes choses bonnes en son temps. Je voudrais nous proposer quelques vérités pour introduire cette pensée du mois de février. La première vérité, mon frère, ma soeur, c'est que la pensée de Dieu a toujours été d'élever ses enfants que nous sommes et non de les rabaisser. La pensée de Dieu a toujours été de nous relever et non de nous rabaisser. C'est pourquoi le plan de la rédemption déclenché à la chute de l'homme, c'était un plan pour élever l'homme. L'homme qui a été assujetti par le péché, rabaissé par le mal. Lorsque Dieu a déclenché le plan de la rédemption de l'humanité, le but est de nous relever. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie. Je dis à quelqu'un, le plan de Dieu pour toi est que tu ne périsses point et que tu ne te perds point, mais que tu aies la vie. La vie est ton partage. C'est pourquoi en ce début du mois, j'aimerais déclarer la vie dans ton foyer, la vie dans ta santé, la vie dans chaque partie de ton corps, la vie dans ton travail, la vie dans tes affaires, la vie afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Seigneur, tu ne m'as pas appelé pour périr. Tu m'as appelé pour la vie. Et je sais qu'au soir de ma vie, je vais célébrer des choses meilleures que Dieu a accomplies pour nous. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi et peut dire un bon amen. Tu dis amen, la vie s'attache à toi. Tu dis amen, la vie t'accompagne dans tes affaires. Alléluia. Amen. Deuxième vérité, de la terre au ciel, il s'agit d'un perfectionnement, d'une progression et non d'une régression. Il y a des citoyens du ciel qui sont ici. Les étrangers sur terre, ils sont là. Les pèlerins sur la terre, ils sont là. Alors, de la terre au ciel, il s'agit d'une progression. Il ne s'agit pas d'une régression. Ce soir, je vais encourager quelqu'un pour lui dire, même si tu as comme l'impression que ta vie est en train de connaître une régression, la réalité est que tu n'es pas dans un processus de régression. Tu es dans un processus de progression. Le
diable veut te faire croire que tu es dans un couloir de régression. Non. La foi chrétienne n'est pas une marche de régression. La foi chrétienne est une marche de progression qui va de la mort à la vie, de la terre au ciel, de la médiocrité à l'excellence, du bien au meilleur. C'est ça le mental que toi tu dois cultiver. Quelqu'un dit amen avec moi ce soir. Troisième vérité. Avec Dieu, on ne peut que s'attendre au meilleur. Un meilleur avenir. Une meilleure santé. Un meilleur mariage. Un ministère florissant. Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie 29, 11. La Bible dit : car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il dit, je connais. Il ne dit pas, je l'ai partagé avec quelqu'un. Il ne dit pas, je l'ai dit à ton frère. Il ne dit pas, je l'ai dit à ta fiancée. Il ne dit pas, je l'ai partagé à ta famille. Ta famille ignore les projets que Dieu a pour toi. Ceux qui se moquent de toi ignorent les projets que Dieu a pour toi. Ceux qui pensent que c'est fini pour toi ignorent les projets que Dieu a pour toi. Ce chef qui est en train de te mépriser ignore les projets que Dieu a pour toi. Dans ce monde où nous sommes, il faut apprendre à respecter les gens, surtout ceux qui marchent avec Dieu, parce qu'il y a un projet de Dieu pour eux. Quelqu'un peut dire, Dieu a un projet pour moi? Non, dis-le avec foi ce soir, Dieu a un projet pour moi. Non, dis-le avec conviction ce soir, Dieu a un projet pour moi. Vous savez, dans ceux qui élaborent des projets, ils savent que dans chaque projet, il y a des rubriques. Et parmi les rubriques du projet, il y a l'objectif du projet. L'intitulé du projet. Et l'intitulé du projet de Dieu pour toi et moi, c'est projet de paix et non de malheur. Oh my God. Je vois Dieu dans une imprimerie ou bien dans un cyber. Il est en train de dire, faites-moi la saisie. Et faites-moi ce qu'on appelle la première page. Page de garde. Et à la page de garde, généralement, on dit République démocratique du Congo, ville de Kinshasa. Ciel, gouvernement céleste. Alléluia. Amen. Adresse, numéro, code postal, blablabla. Bla, bla. Et puis intitulé du projet. Projet de paix. Je dis à quelqu'un ce soir, je suis venu t'encourager. Je dis, je suis venu t'encourager. Je suis venu booster ta foi. Si les hommes ont des projets de malheur pour toi, Dieu a un projet de bonheur pour toi. Si les hommes ont les projets de regrets pour toi, Dieu a un projet de progression pour toi. Dieu a un projet de bonheur pour toi. Et ce que j'aime dans un projet, il y a ce qu'on appelle objectif du projet. Dieu a un objectif dans son projet. Et dans chaque projet, il y a ce qu'on appelle les champs d'action. Et les champs d'action de Dieu dans ses projets de paix, c'est ta vie, ta santé, ton programme. Je dis, j'aime toujours la chanson d'Exo qui dit, hein, toi qui sais compter les étoiles, tu sais aussi te pencher sur mes pas. J'aime beaucoup cette phrase-là. Que Dieu bénisse celui qui a écrit ça. Toi qui sais compter les étoiles. Donc, dans sa grandeur, dans sa toute-puissance, il sait compter les étoiles. Mais c'est extraordinaire. Mais dans sa splendeur,
splendeur où il gouverne l'invisible, le firmament, les galaxies, il prend aussi le temps de se pencher sur mes pas. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque jour tu dois réaliser que le Dieu Tout-Puissant, il veille sur chacun de tes pas. Parce que si Dieu ne veille pas sur chacun de tes pas, tu serais déjà tombé englouti, mort. Comme je l'ai toujours dit, chaque pas est un miracle. Parce qu'il y a des gens qui marchent, mais qui ne réalisent pas que chaque pas est un miracle. Mais il y a des gens qui marchent, et puis ils sentent comme une sorte de crampe. Et puis il est en train de tomber. Il n'a aucune force pour se relever. Et puis les gens viennent pour l'entourer. Et puis il dit, prenez mon téléphone, appelez ma femme. Et puis on appelle, les gens viennent. Et puis il est à l'hôpital. Aujourd'hui, il est en Afrique du Sud. Il ne sait pas marcher. Parce que le prochain pas est un miracle du ciel. Non, j'aimerais que tu croies en ça. Le prochain pas n'est pas le résultat de tes sports. Non, ce n'est pas le résultat de tes régimes. Apprends à apprécier les prochains pas. Parce que c'est la grâce qui vient du ciel. Quelqu'un dit, Dieu a un projet pour moi. Non, dis-le bien, dit Dieu a un projet pour moi. La bonne nouvelle ce soir, si les hommes n'ont pas de projet pour toi, Dieu a un projet pour toi. Si ta famille n'a pas un projet pour toi, Dieu a un projet pour toi. Si le gouvernement n'a pas de projet pour toi, Dieu a un projet pour toi. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Dieu a un projet pour toi. Et ce que j'aime dans un projet, il y a une rubrique qu'on appelle prévision budgétaire. C'est-à-dire dans les projets de Dieu pour toi, il y a des prévisions budgétaires sur ta vie. C'est pourquoi lorsque tu arrives à la fin de l'année, tu comptabilises ta vie. Mais tu vois quand est-ce que tu as touché cet argent. Il n'y a pas match. Les transports, les crédits, les mégas, les loyers, les santé, les jours où tu étais tombé malade. Si tu fais la comptabilité, mais tu vois dans ton compte, il y a zéro. Tu dis, mais comment j'ai vécu? Il y a une prévision budgétaire du ciel. Je ne sais pas si quelqu'un entend ma voix ce soir. Je dis, il y a une prévision budgétaire du ciel. C'est pourquoi ceux qui marchent avec Dieu, ils élaborent des projets même quand il n'y a rien, parce qu'ils savent que le Dieu du ciel pourvoira. Celui qui marche avec Dieu est capable de dire à Isaac, l'Éternel pourvoira et nous reviendrons. Et lorsqu'il est monté à la montagne, il a vu le bélier, parce que l'Éternel a pourvu. On ne voit pas le bélier quand on est en bas de la montagne. On voit le bélier quand on monte sans le voir. C'est pourquoi je viens encourager quelqu'un en ce mois. Monte d'abord, tu verras après. Ah, je dis monte d'abord, tu verras après. Je dis confesse d'abord, tu toucheras après. Quelqu'un dit un bon amen ce soir. Il a une prévision budgétaire. Moi j'aime des projets, j'ai fait des projets. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas encore. Mais j'ai des idées, j'ai fait des projets. Et ce que j'aime dans un projet, il y a une rubrique qu'on appelle imprévu. Et dans un projet, l'imprévu, c'est le 10% du budget global. C'est-à-dire, entre parenthèses, si tu fais un projet, tu introduis, il n'y a pas la rubrique imprévu, on ne va pas l'accepter. On dirait que ce n'est pas sérieux. Ces gens ne savent pas comment faire les projets. Il y a une rubrique qu'on appelle imprévu. Je viens dire à quelqu'un, même les imprévus de
de ta vie sont prévus par le ciel. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un là. Je dis, même les imprévus de ta destinée sont prévus par le ciel. C'est pourquoi il arrive des moments où tu arrives dans un coin, tu te poses des questions. À la minute qui vient, il y a quelqu'un que vous êtes connu il y a des années. Il passait par le même chemin, il s'est arrêté à la même seconde et vous vous êtes vu, il a résolu ton problème et puis il est rentré dans la disparition. Ah, c'était l'imprévu prévu par le ciel. Je dis, c'était l'imprévu prévu par le ciel. Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il m'est arrivé plusieurs fois, plusieurs reprises d'être dans des imprévus comme ça. Je me rappelle un jour, je suis arrivé dans une agence. Je donne le code, je donne tout ça, le montant, j'écris le nom de celui qui a envoyé. Et puis j'oublie la carte, ma propre carte. J'oublie ma carte. Pendant que je dis non, j'oublie ma carte, et non, puis non, a, non, les gens du guichet disent, moi je ne peux rien faire, tu sais, moi je travaille ici, il faut une carte. Et puis son chef sort du bureau. Je continue à abîmer. Pasteur, Boni, il faut pas les côté, il faut côté. Le problème, les années, non, ah, tiens, là, on a WhatsApp, servir. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Il pouvait ne pas être là en ce moment-là. Mais Dieu a vu que j'étais dans les besoins. Il dit, ah, est-ce qu'il y a Roko Sayo? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je dis à quelqu'un, na sois rassuré qui que tous les jours de ta vie ont été prévus par le ciel. Je dis tous les jours de ta vie. Je viens t'informer que Dieu est sérieux et que Dieu est organisé. Et dans l'ordre de Dieu, il a prévu les détails de ta vie. Même les jours qui t'ont fait pleurer, Dieu les avait planifiés. Pour que dans les jours qui viennent, tu trouves un sens de ces jours-là. Quelqu'un dit un bon amen. Quatrième vérité, la reconnaissance de là où tu viens et de là où tu es est un élément déclencheur du meilleur que Dieu te réserve. La reconnaissance commence par apprécier là où tu es. Et commence par dire merci pour d'où tu viens. Alors ça fait partie des choses qui vont déclencher les meilleurs. Bien aimé dans le Seigneur, parfois le meilleur tarde à venir. Pas parce que Dieu le réserve, mais parce qu'en toi il n'y a pas suffisamment de reconnaissance. Dans la reconnaissance il y a l'humilité de quelqu'un qui doit dire, j'apprécie d'où je viens. C'est peut-être pas extraordinaire. Il y a eu beaucoup de défis. Je pouvais même être oublié déjà là-bas. Mais si je suis ici maintenant en ces lieux, et j'ai cet âge ici, et que je fais ce que je fais, c'est parce que quelque part Dieu est passé par là. C'est parce que quelque part la grâce de Dieu est passée par là. Ne vis pas une vie de murmure. Ne vis pas une vie de pleure. Vis une vie de quelqu'un qui apprécie là où il est. Ça va déclencher les meilleurs. Quelqu'un dit un bon amen. Ne sois pas comme les quinois. Okabelie sac na ndenge na yo. Sac à rouge. Katangazo swango. Ah maman, bon ça pas tout n'ango ezate, ça va couleur te. Commence par apprécier d'abord. Pendant que vous sépé la nanou. Le bas mène à bien. Amen. Vous avez dit 0-0-0. Moninga PCO 5000 francs. Commence par apprécier d'abord. Pendant que nous n'avons pas sépé la. Ah, vous bien raoyo. Bon, on a équipé. N'a pas sépé la. Vous avez dit 0. Alléluia. Amen. Avec Dieu, c'est la même chose. N'entendez pas ça bongo. Le meilleur à venir passe par l'appréciation de ce qui est présent.
Quelqu'un a dit ceci. Aujourd'hui est un cadeau de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle présent. Alléluia. Amen. Lelo. Aujourd'hui c'est un cadeau de Dieu. C'est pourquoi en français on appelle ça présent. Lorsque tu donnes à quelqu'un un cadeau, ça s'appelle aussi présent. C'est pourquoi quand tu te réveilles un matin, tu peux conjuguer le verbe au présent. Dis-toi que chaque jour est un cadeau de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle présent. Et commence par l'apprécier. Commence par dire merci à Dieu. Parce que c'est un cadeau. Il y en a qui n'ont pas vu ça. Et parce que Dieu te permet de respirer, il te permet d'avoir droit au meilleur. Je ne sais pas si quelqu'un dit un bon amen. Cinquième vérité ce soir. La fidélité appelle le meilleur. Je dis la fidélité appelle aussi le meilleur. Parce que Dieu te réserve le meilleur. Sois fidèle dans ta marche. Sois fidèle dans le service de Dieu. Sois fidèle dans ce qu'on te confie comme travail. Sois fidèle dans ta manière de vivre avec les gens. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Au verset 17. Luc 19, 17. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de combien? De 10 villes. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le meilleur. Je prie que dans notre église, souffle de vie, souffle de vie, nous serons des fidèles. Je dis les fidèles dans peu de choses, fidèles dans ce qu'on te confie, fidèles dans ta commission, fidèles dans l'œuvre de Dieu, fidèles dans ton département, fidèles dans ta ponctualité, fidèle dans la régularité, fidèle dans la manière de servir Dieu. Sois fidèle parce que le meilleur est à venir. Je dis sois fidèle dans ta marche, dans ta vie chrétienne, que ce soit ici à l'église ou ailleurs. Vis ta foi chrétienne. Sois fidèle dans ton programme de prière personnelle. Sois fidèle dans les dîmes et les offrandes. Sois fidèle dans ta manière de marcher avec le Seigneur. Sois fidèle. C'est en ça que tu auras droit au meilleur. Parfois nous n'accédons pas au meilleur. Pas parce que Dieu nous le refuse, mais parce que nous ne sommes pas fidèles au peu. Quelqu'un dit un bon amen. Dis mon frère, tu peux balayer ici. Et puis regarde, il sourit. Et puis sort. Une manière de dire. Et ça, en tout cas, c'est vraiment tout ce que tu me confies. Et ça dit, osopé sangalo la mosala. T'as une onction dans un mot, t'as un don spirituel dans un mot. Fais d'abord ça. Ça l'angonan. Dis à ton voisin, sois d'abord fidèle aux petites choses. Du reste, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de petites choses. Et celui qui balaye, celui qui prêche, ils sont tous au service de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et celui qui est au chaudière, et celui qui chante, ils sont tous au service de Dieu. Peut-être même que l'onction de celui qui chante est le résultat du sacrifice de celui qui est au chaudière. Mais celui qui a la chaudière, on ne le voit pas. Quand on prend des photos pour l'église, on ne le voit pas. Mais celui qui est ici, c'est celui qu'on voit. Mais devant Dieu, il voit le cœur. Mon frère, soyons fidèles. Soyons des ouvriers fidèles. Parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le meilleur. Reçois le gouvernement de 10 000. Quelqu'un dit un bon amen.
Sixième vérité pour ce soir. Osolo ya motoba. Dieu a placé le meilleur dans un emballage qui s'appelle le temps. Dieu a placé le meilleur dans un emballage qui s'appelle le temps. Bien-aimé, parfois il arrive que Dieu dise non à nos prières. Tout simplement parce qu'il nous réserve mieux, mais en son temps. Quelqu'un peut dire en son temps. C'est l'élément important. C'est l'inconnu de notre relation avec le Seigneur. Parfois dans l'équation de la foi, l'inconnu se l'étend. Je sais qu'il agira. Mais je ne sais pas quand. Je sais que les promesses vont s'accomplir. Plus les formes prenaient forme. Plus le vide se remplissait. J'ai dit à quelqu'un, là où tu n'as rien, si tu as la parole, je dis si tu as la parole, l'informe prendra forme. Et le vide sera rempli. Je ne sais pas si quelqu'un a la parole ce soir. Qu'il balance sa main. Je dis dans ton cœur, est-ce qu'il y a une parole? Dans ta vie, est-ce qu'il y a une parole? Je dis parce que tu as la parole, le meilleur est ton partage. Je dis je vois les très bons s'attacher à toi. Je dis je vois les très bons attachés à toi. Dans les récits de la création, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Dieu dit, et Dieu vit, que cela était bon. Je dis, si tu as la parole, dans la dynamique avec Dieu, il arrive toujours un temps où la parole devient chère. Il y a toujours un temps. La parole ne restera pas dans l'invisible. C'est pourquoi j'annonce à quelqu'un, le meilleur est dans la parole que tu as. Je dis, tu toucheras le meilleur. Tu mangeras le meilleur. Tu arriveras au meilleur. Tu entreras aux meilleurs endroits. Tu apporteras la meilleure parole. Tu auras des enfants meilleurs. Je dis, tu auras des résultats meilleurs. Je ne sais pas, je parle à qui. Je ne sais pas, ça viendra comment. S'il y a des doutes dans ton cœur, que cette parole vienne briser les doutes. J'annonce un avenir meilleur pour toi. J'annonce un destin meilleur pour toi. Je viens dire à quelqu'un, le meilleur est dans la parole que tu entends. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Vous savez, au fil des générations, les scientifiques découvre jour après jour des choses extraordinaires dans la création. Mais ces choses extraordinaires que les scientifiques découvrent chaque jour sont le résultat de la parole invisible de Dieu. Quelqu'un dit amen, je dis quelque chose. Non, dis un bon amen, je vais te dire quelque chose. Ce mois, Dieu est venu t'édifier. Ce mois, Dieu est venu t'encourager. Ce mois, le Saint-Esprit est venu te donner la force. Ce mois, le Saint-Esprit est venu booster ta foi. Alors écoute Dieu, ce que Dieu me dit de te dire. Parce que tu es porteur de la parole, il y a des choses qui seront découvertes progressivement dans ta vie. Des grandeurs qu'on pourra découvrir. Des choses excellentes qu'on va découvrir au fur et à mesure. Je viens encourager quelqu'un pour lui dire, on n'a pas encore cessé de découvrir. On découvrira en toi un homme intelligent. On découvrira en toi une femme ointe. On découvrira en toi un homme porteur de Christ. Je dis, on découvrira en toi une jeune fille pleine d'intelligence et de brillance. Les gens diront, elle n'est pas seulement belle de figure, elle est aussi belle de bonté et de cœur. Je dis, on découvrira en toi des choses. Plus tu grandis dans la parole, plus des choses seront découvertes en toi. La parole est porteuse de l'excellence. La parole est porteuse du meilleur. Jésus n'a pas touché Lazare. Il n'est pas entré dans le cimetière. Il n'y a pas eu un contact physique. Non, il n'a pas touché. Là où il était, il a envoyé une parole. Ah.
Et puis Lazare était devenu médiocre. Qu'est-ce que je veux dire? Il est devenu mort. Qu'est-ce que je dis? Il sentait déjà. Mais il est parti de la médiocrité au meilleur, de la médiocrité à l'excellence. Pas parce qu'il a été touché, mais parce qu'il a reçu une parole. Oh, j'annonce à quelqu'un qui reçoit une parole. Je dis, je n'ai pas besoin de te toucher. Je n'ai pas besoin d'être là avec toi. Cette parole que tu entends, je dis, cette parole que tu entends va enlever tout ce qui est médiocre dans ta vie, ce qui est médiocre dans ta santé, ce qui est médiocre dans ta façon de voir, pour introduire un cycle d'excellence dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, les yeux de Lazare étaient abîmés, mais la parole a régénéré ses yeux. Son cœur ne battait plus, mais la parole a restauré son cœur. Ses poumons commençaient à pourrir, mais la parole a restauré ses poumons. Je dis à quelqu'un, tu n'as pas besoin de comprendre, tu as besoin de croire que Dieu me réserve le meilleur. Aide-moi, lève-toi, dis à trois personnes, Dieu me réserve le meilleur. Non, s'il te plaît, je t'en supplie. Dis à trois personnes, Dieu me réserve le meilleur. Dis, change les voisins, change les voisins. Dieu ne me regarde pas comme ça. Je suis peut-être à Bethany, peut-être que je sens déjà, mais il y a une parole. Je dis, il y a une parole qui viendra restaurer de ma vie. Nous sommes le peuple de la parole. Nous sommes les amis de la parole. Le monde a été créé par la parole. Nous avons été sauvés par la parole. Parce que j'ai la parole. Jour après jour, l'informe prendra forme et le vide sera rempli. Je dis à quelqu'un, le vide sera rempli. Là où il y a vide dans tes poches, la parole va remplir le vide. S'il y a vide dans ton congélateur, la parole va remplir le vide. S'il y a un vide dans ton cœur où tu as été trahi, la parole va remplir le vide. S'il y a vide des enfants dans ton foyer, la parole va remplir le vide. Je dis, la parole va remplir le vide. Je vois la parole remplir le vide de quelqu'un. Je ne suis pas seul. Je marche avec la parole. Et Dieu me réserve le meilleur. Quelqu'un lève sa voix ce soir. Commence à bénir le Seigneur. Commence à déclarer le meilleur. Commence à déclarer le meilleur. Il me réserve le meilleur. Il ne me réserve pas le petit. Il ne me réserve pas les déchets. Non, 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 il me réserve le meilleur. Lorsqu'il était en prison, j'avais pensé que Dieu lui avait réservé l'échec, mais il ne savait pas que c'était le processus. C'était le processus. Il me réserve le meilleur. Même quand je ne comprends pas, je place la foi. Je n'ai pas besoin de tout comprendre. J'ai besoin de tout croire. Je dis, je n'ai pas besoin de tout comprendre. Même quand je me pose des questions, je place la foi. Je dis, je place la foi. Je dis, je place la foi. Je dis, je place la foi dans la parole. Le meilleur est mon partage. L'excellent est mon partage. Le très bien est mon partage. Je suis citoyen du ciel. La marche vers le ciel est une progression. Ce n'est pas une régression. C'est une progression. J'avance avec Dieu. J'avance avec Dieu. Il me réserve le meilleur. Je sais qu'il a placé le meilleur dans un emballage qui s'appelle le temps. Au temps fixé par lui-même, les choses vont arriver. Je dis à quelqu'un, prends courage ce soir. Ne désespère pas. Ne désespère point. Il te réserve le meilleur. Confesse et déclare ça. Si les médecins
ont un pronostic défaitiste. L'Éternel me réserve le meilleur. Sa louange, sa louange sera toujours dans ma vie.